Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de décoration minimaliste et je vais surtout vous donner les 5 erreurs à ne surtout pas faire parce que je vois beaucoup, beaucoup de préjugés sur la décoration minimaliste, beaucoup de fausses idées, des gens qui critiquent un petit peu la décoration minimaliste en disant que c'est trop impersonnel, que c'est trop vide, que tous les murs sont blancs et que ça fait hôpital, que ça manque de vie, etc. Et ça, c'est quand même une vision un petit peu simpliste de la décoration minimaliste. Être minimaliste, c'est pas juste avoir une table, deux chaises et des murs blancs. C'est un petit peu plus complexe que ça et c'est justement tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà, c'est quoi la décoration minimaliste? Donc comme le minimalisme en fait, la décoration minimaliste va à l'essentiel. C'est-à-dire que l'important c'est vraiment d'éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui nous distrait de ce qui est essentiel pour vraiment garder uniquement ce qui compte, ce qui a de la valeur pour nous. Et dans l'idée aussi de mettre ce qui a de la valeur pour nous en valeur justement parce que quand il y a trop de choses, on ne voit plus vraiment la beauté de chaque chose. Alors que quand on a par exemple un seul joli vase sur une étagère, il est vraiment bien mis en valeur et on peut vraiment l'admirer comme il le mérite finalement. En tant que minimaliste, on va aussi chercher à mettre de l'harmonie, de la fluidité dans son intérieur, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir ce besoin de pouvoir circuler librement, de pouvoir avoir cette sensation de respirer pleinement, sans être entravé par des objets. L'idée, c'est vraiment que rien ne nous empêche d'être nous-mêmes et de faire ce qu'on veut, en fait, chez nous. Donc c'est vrai que la décoration minimaliste, ça demande une vraie réflexion en amont. On va vraiment se demander ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas, quel impact a tel objet sur mon bien-être, quel impact a telle couleur sur la façon dont je me sens. Et c'est vrai qu'à l'inverse de la décoration un petit peu classique, on aura davantage tendance à enlever des objets plutôt qu'à en rajouter. Alors pourquoi avoir une décoration minimaliste? Il y a plusieurs avantages à ça. Le premier avantage, c'est que la décoration minimaliste va vraiment vous permettre d'avoir plus de temps pour vous. Encore une fois, quand vous avez beaucoup d'objets décoratifs chez vous, forcément, il faut les nettoyer. Ça demande quand même plus de temps de ménage. Si vous avez plein de petits bibelots, il faut faire la poussière. Si vous avez plein de choses sur des étagères, faut les enlever, nettoyer l'étagère, les remettre, etc. Enfin, en tout cas, ça demande plus de temps. Et donc quand vous avez une décoration minimaliste, forcément vous passez moins de temps à faire du ménage et du coup vous avez plus de temps pour vous, pour profiter de vos enfants, de votre conjoint, pour faire des choses à l'extérieur, voir vos amis, exercer vos passions, etc. Ensuite, le fait d'avoir une décoration minimaliste, ça va vraiment vous aider à vivre davantage dans le présent, à mieux profiter du moment présent. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de garder tout un tas de choses, tout un tas d'objets qui nous renvoient au passé et pas forcément, et qui nous aident pas forcément à vraiment être dans l'instant présent. Et le fait de vraiment choisir les objets de décoration qui restent chez nous, ça va vraiment nous permettre de ne garder que des choses qui nous font du bien, qui nous mettent en joie et qui nous aident vraiment à ne pas rester accroché comme ça à un sentiment de nostalgie, au passé et à vraiment, vraiment profiter du moment présent et de notre vie d'aujourd'hui. Et enfin, le fait d'avoir une décoration minimaliste, ça permet vraiment de se sentir bien chez soi, d'être plus serein parce que déjà, vous avez moins de choses, moins d'objets décoratifs dans votre champ visuel, donc vous êtes beaucoup moins stressé, vous êtes plus apaisé. Et en plus, comme c'est vraiment des objets que vous avez choisis avec soin, qui vous rendent heureux, qui vous renvoient à des choses positives, forcément, ça va avoir une grosse influence sur votre bien-être et du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux chez vous. Et donc maintenant, je vais vous parler des 5 erreurs à ne surtout pas faire en matière de décoration minimaliste. La première erreur, c'est de se forcer à mettre du blanc partout. Parce que c'est vrai que on voit beaucoup d'intérieurs blancs, des murs blancs, etc. Et on peut avoir l'impression que c'est un petit peu la norme. Alors, pas forcément. Pourquoi souvent il y a du blanc? C'est parce qu'en fait, l'idée de la décoration minimaliste, c'est vraiment d'avoir des intérieurs qui soient les plus lumineux possibles. Donc, il faut vraiment... On laisse de la place, en fait, à la lumière naturelle. Et c'est vrai que le blanc aide beaucoup à rendre un endroit lumineux. C'est sûr que entre du blanc, par exemple, et du marron foncé, forcément, dans une pièce blanche, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus lumineux. Donc, c'est vraiment la raison principale pour laquelle on voit beaucoup de murs blancs. Mais l'idée, c'est pas d'avoir que du blanc. Il faut vraiment mettre aussi de la couleur par petites touches.
Ça peut être des murs, par exemple, mais ça peut aussi être des objets, des matériaux. Donc, on va vraiment privilégier des couleurs quand même relativement douces, même si vous aimez la couleur vive, c'est tout à fait possible de mettre aussi des couleurs vives. Mais c'est vrai qu'on va souvent privilégier, par exemple, le bois ou le métal ou les fibres naturelles ou du beige, du taupe, etc. Voilà, vraiment des couleurs qui invitent à la détente, parce que c'est quand même le but premier du minimalisme, c'est de vous aider quand même à vous sentir bien chez vous. Donc voilà, pas du blanc partout, mais un peu de blanc et aussi de la couleur par petites touches ici et là. Ensuite, la deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est d'enlever toutes ces décorations. C'est se dire, voilà, le minimalisme, il faut vraiment rien avoir sur les murs, rien avoir sur les étagères, etc. Donc ça, c'est une erreur encore une fois, parce que peut-être que vous avez vu des photos où il n'y avait aucune décoration. Ça, là encore, ça dépend des personnes, bien sûr, mais l'idée, c'est pas d'enlever toutes les décorations, c'est de garder uniquement ce qui vous rend heureux. Donc, il faut vraiment vous demander quels objets vous avez envie de voir tous les jours quand vous êtes chez vous, quel tableau, quel bibelot, etc. Et de vraiment juste garder ce qui vous plaît aujourd'hui, ce que vous trouvez beau, ce qui vous rend heureux, ce qui vous renvoie à du positif, à des bons souvenirs, et de ranger tout ce qui n'a pas forcément lieu d'être. Parce que c'est vrai que dans le minimalisme, on donne beaucoup de place au silence visuel aussi. Donc c'est vraiment vous demander qu'est-ce que je laisse à la vue et qu'est-ce que je range. Par exemple, dans la cuisine, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tous vos appareils électroménagers sur votre plan de travail. Gardez uniquement ceux dont vous vous servez tous les jours et puis rangez les autres. Pareil dans la salle de bain, sortez uniquement ce qui vous sert au quotidien et puis rangez le reste. Donc voilà, c'est vraiment trouver un équilibre entre ce que vous avez envie de voir tous les jours et ce qui peut être rangé parce que vous ne l'utilisez pas tous les jours ou vous n'avez pas forcément envie de voir tel objet tous les jours. Ensuite, la troisième erreur, c'est de garder trop peu de meubles. Donc c'est d'enlever trop de meubles et du coup de plus rien avoir, en tout cas plus avoir assez de meubles pour ranger ces choses. Donc l'idée, c'est plutôt d'opter pour des meubles fonctionnels. Donc qui vont avoir par exemple des portes pour pouvoir cacher les objets et pour ne pas toujours avoir des objets dans son champ visuel. L'idée, c'est aussi d'avoir des meubles pratiques qui nous facilitent la vie, qui nous simplifient la vie, parce que le minimalisme, c'est aussi ça. Bien sûr, il y a une dimension esthétique, mais il y a aussi une dimension fonctionnelle. On vise vraiment la fonctionnalité pour se simplifier la vie au quotidien. Ensuite, la quatrième erreur qu'on peut faire, c'est de favoriser le côté esthétique au dépens du confort. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que le minimalisme est en lien avec une forme d'ascétisme, c'est-à-dire une vie un petit peu sans plaisir, alors que pas du tout. Le confort est extrêmement important. Le côté esthétique aussi, bien sûr, mais on ne va jamais, par exemple, choisir un fauteuil qui est juste joli, mais qui n'est pas confortable. L'idée, ça va vraiment être d'associer les deux, et comme on privilégie la qualité à la quantité, on peut se permettre souvent d'avoir des meubles très confortables. Par exemple, plutôt que d'avoir trois fauteuils un petit peu classiques, on va plutôt opter pour l'achat d'un seul fauteuil qui est très confortable, qui met en valeur notre salon, mais qui aussi est très plaisant à utiliser au quotidien, qui est douillet, etc., dans lequel on a vraiment envie de rester des heures. Pareil pour un tapis, on va pas juste se contenter d'avoir un joli tapis, on va vraiment se demander déjà comment on utilise ce tapis au quotidien, est-ce qu'on est susceptible d'y marcher pieds nus, et si c'est le cas, on va vraiment choisir un tapis très confortable, qui est très agréable pour les pieds nus, et qui aussi, par exemple, ne va pas se salir trop vite. Donc on va peut-être éviter de choisir du blanc, mais on va plutôt choisir un tapis foncé. En tout cas, on va vraiment accorder beaucoup, beaucoup d'importance au confort. Et ensuite, la cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas prendre conscience de l'espace. Donc là, ça va être des personnes qui vont avoir comme seul but de créer de l'espace. Donc vraiment de désencombrer au maximum pour avoir beaucoup d'espace. Et parfois, on tombe dans ce piège un petit peu et on se retrouve avec un intérieur qui nous paraît trop vide, dans lequel on se sent pas bien. Et c'est tout à fait normal parce qu'on a tous des limites en termes de vide. C'est très subjectif, en fait. Dans une même pièce, quelqu'un va avoir l'impression que c'est trop vide, quelqu'un d'autre va avoir l'impression que c'est parfait. Donc, il faut vraiment s'écouter en termes de ressenti. Mais en effet, il faut vraiment pas aller trop dans l'extrême et trop vider, parce que si vous faites ça, inconsciemment, vous allez avoir envie de remplir à nouveau l'espace et vous allez réencombrer sans même comprendre pourquoi. Mais des fois, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, c'est trop vide pour vous. Et du coup, inconsciemment, vous allez remplir ce vide, donc rajouter des objets pour vous sentir mieux.
Donc vous voyez que la décoration minimaliste est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. L'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de garder uniquement ce qui vous fait du bien, ce qui vous rappelle de bons souvenirs, ce qui vous renvoie à des choses positives. Et ensuite, c'est de prendre en compte un petit peu l'harmonie générale, donc l'harmonie des couleurs, la lumière, le côté fonctionnel aussi des meubles, des objets. Le confort, parce qu'il ne faut pas oublier le confort. Le principal objectif dans le minimalisme, c'est quand même de vous sentir bien chez vous. Donc c'est vraiment à vous de trouver cet équilibre et de ne pas suivre des règles strictes parce qu'un tel dit qu'il faut faire ci ou un tel dit qu'il faut faire ça. Si vous aimez la couleur, mettez de la couleur. Écoutez-vous. En fait, le seul indicateur valable, bah, c'est ce que vous ressentez vous, parce que le plus important, c'est que vous soyez bien chez vous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi aussi d'ailleurs si vous avez envie de changer des choses chez vous après avoir vu cette vidéo par rapport à votre décoration. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous forciez peut-être à faire ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas aussi? Voilà, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous avez envie de faire du tri mais que vous ne savez pas trop par où commencer, Yuri et moi, on a créé un guide qui est gratuit et qui vous explique bah, comment alléger votre intérieur, comment simplifier votre vie. Donc vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou alors sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !